Bonjour à tous, bienvenue à Antalya pour le quart de finale Nissen-Vanceflut. J'ai le plaisir de commenter ce match avec mon ami Yohan Petit. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Voilà, on est tirage à la bande. Nissen-Vanceflut décide de démarrer. Début de match toujours très important sur le point de départ, qu'il est relativement facile, mais que ça reste à faire, n'est-ce pas, Yann? Oui, ça reste un point forcément que l'on connaît bien, mais sur les différents matériels, il faut savoir s'adapter. Mais c'est vrai que sur ce billard, le point d'entrée est assez simple à jouer. Pas de difficultés particulières. D'ailleurs, Michel Vassiflut m'a confié que s'il gagnait le tirage, il démarrerait. Donc, chose faite. Bien joué. Voilà, le Néerlandais qui a décidé de prendre les choses en main dès le début du match, d'attaquer et de tenter de mettre forcément d'emblée la pression sur le Belge. Bon, un peu trop fort, la rouge Elle a un peu augmenté au niveau, un peu haute. Oui, il l'a assuré un petit peu parce que c'est des billards qui tournent pas mal. Donc, afin que l'effet puisse être conservé à la troisième bande, il l'a appuyé un petit peu. Et là, il va jouer peut-être deux bandes ou une bande suivant le. Sur la jaune ou deux bandes sous la rouge à droite, peut-être. Ouais, je pense qu'il va plutôt attaquer la rouge. Il est en meilleure position pour viser. Ouais, c'est un point d'attente, voilà. Rester près de la 3 et gérer un peu la situation. Voilà, c'est ce qu'il fait. Voilà. C'est parfait. Ouais, pas mal, pas mal. Il a préféré avoir un peu moins d'angle pour être en dominante un peu, mais. Voilà. Mais qu'est-ce que tu penses, Yohan? Voilà, là il a deux choix possibles. C'est vrai qu'il pourrait essayer de jouer le rétro direct. De façon à essayer de remettre les billes dans une zone. C'est ce qu'il fait d'ailleurs, il joue rétro direct avec un rappel relativement très approximatif. Voilà. Voilà, une grande distance entre la 2 et la 3, mais très bien joué. La proximité de la 1 et de la 2 lui permettait de prendre une quantité de billes assez précise. Il a les billes devant lui, entrée. On ne sait pas si le coulé il passe, ça sera intéressant. Ou alors une bande, par la grande bande. Voilà, c'est ce qu'il va jouer. Voilà. Il peut s'appuyer un peu sous la rouge, la descendre avec lui. Voilà. Très bien. Très bien joué. Il est en dominante sur la rouge. Donc
propice pour jouer ce rappel et se rapprocher un petit peu de la, voilà, de la ligne. Un angle droit avec rappel à peu près. Approximatif aussi, il faut attention au masque, il peut avoir un masque là si, mais il joue très bien le coup. Il manque un peu de quantité, ça va. Il a pris la précaution de prendre un peu moins plein pour éviter le masque. La finesse ne passe pas. Voilà. Massé. Donc deux choix, la jaune en angle droit et avec rappel. Il a pris un peu trop plein. Alors peut-être qu'il y a eu un petit butage déjà dès le début du match, mais. Ouais, c'est vrai que le billet a souvent des engrenages de butage. Ouais. Mais c'est le début du match, les joueurs ne sont pas encore réglés. Les premiers points sont toujours avec tension. Voilà. On a le temps de trouver un rythme et un peu plus de calme aussi. Assez proche de la rouge, mais il va tenter quand même le rappel de la rouge. Voilà, le coup de queue court. Et c'est un billard qui est quand même assez roulant, donc c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de forcer le coup. On voilà. voit bien que la rouge arrive voilà. doucement mais sûrement. Voilà. Là, il est entré, il va essayer de se placer sur la rouge pour avoir un rappel sur la rouge après. Voilà. Parfait, il fallait se donner un petit peu d'air voilà. pour essayer de surtout pas être masqué. Il doit jouer la rouge en principe avec un rappel 4 bandes de la rouge et amorti sur la. Sur la 3, à moins qu'il joue direct aussi. Non, plutôt par la bande, je pense. Par la bande, il met de l'effet. Hein. Non, direct. Non, il met direct. Direct, ouais. direct. On ne voyait pas bien avec cet angle-là. Ouais. Ben, malheureusement, il n'a pas amorti. Il a un peu balancé la 3 et ça se passe mal. Ouais. Je le voyais plutôt amorti. Ouais, ça fait deux, ouais, c'est ça. Mais ça fait deux fois qu'il se fait surprendre un petit peu par le, ouais. par le roulement. Ouais. Et donc, je pense qu'il va veiller à. Il avait une occasion de rester un peu plus près des billes. Il va veiller à soigner sa mesure sur les prochains coups. Parce que là, ça fait deux fois qu'il est un petit peu trop long. Parce que c'est vrai que c'était un coup qui était plutôt proportionnel. Point très difficile, une bande de réglage. Sur, voilà. Il hésite. Éventuellement, il y a à droite de la rouge où le croiser au fond, plein coin. Ou à droite, deux bandes, ou trois. Oui, parce que là, s'il décide de jouer la jaune, de toute façon, vu la distance entre la 1 et la 2, il sera obligé de jouer le coup assez fort. Oui. Non, il choisit plutôt la rouge malgré cette 3 qui est petite. Ouais. Ouais. Voilà, c'est pas trop mal joué. Il a bien carambolé, il a eu de la chance de bien caramboler sur la finesse de la 3. Il a les billes devant lui. Bon choix et avec un peu de réussite, mais ça fait partie du coup. Voilà, l'arbitre annonce entrée. Il a demandé s'il était entré ou à cheval. Il est plutôt entré, je pense. Un coup délicat qui peut paraître simple, mais il ne faut pas attaquer trop de billes. Bon, ça va. Oui. Voilà. Voilà, il a un masque. Voilà, le gros souci, même si le coup est jouable en coup de réglage à gauche de cette jaune en une bande, mais. Est-ce qu'il va doubler la 2 pour avoir les billes devant lui? Voilà, la 2 doit où il joue. Très bas avec plutôt rétro finesse, oui. Ouais, c'est plutôt un choix judicieux. Ouais. Pour ne pas exploser vraiment la situation. Début de match délicat encore, mais il est sur la table, comme on dit, il gère. Il n'a pas raté, il n'a pas réussi à prendre le billet. Donc, c'est peut-être un peu de tension. Il y a une place en demi-finale. Eh oui, c'est pas rien. Pas rien. Sous les papiers favoris, peut-être Patrick Nissen, mais attention, avant Sifflut, qui peut très bien jouer. Ouais. Attention, attention, attention. Sur la finesse, ça va. Un peu juste. Toujours deux points un peu délicats, Yohan. Là, c'est un peu délicat. Il arrive
peut jouer le Massé. Un petit peu trop proche de cette jaune. C'est une bande, il joue une bande. Et attendre. S'il peut avoir un placement, ça sera bien, mais difficile à savoir avant si on se place bien ou pas. Ah oui, là, l'objectif, c'est vraiment d'arriver comme il le fait dans le plan de la rouge. Ouais. Et tant mieux pour lui, il y a le petit billet favorable. Voilà. Mais ça reste tout de même un point délicat. Voilà. C'est un pas tout à fait dans l'angle droit. Un rétro-angle ouvert un peu. Voilà, il faut régler l'attaque. Bien joué. Voilà. Il s'est rapproché un peu des billes, mais il y a encore du travail, comme on dit. C'est ça. Un rappel de cette jaune. Il était collé à la bande, donc obligé de lever du talon. Donc c'est difficile de faire beaucoup mieux que d'avoir ce résultat. Là, il va essayer de passer entre les deux pour avoir un rappel de long, voire un rappel de large, avoir deux rappels, plutôt sous la rouge. Voilà. Tout à fait, un placement qui est... Voilà, il peut avoir la jaune, il peut avoir la rouge. Assez simple à obtenir. Voilà, il décide la jaune. Attention sur la quantité, bien amortir pour pas avoir. Bah, il est assez fort, il ne va pas se masquer. Ça se passe bien avec le contre. Oui, le petit billet qui va lui permettre de jouer la rouge. La rouge en une bande. Faire attention de ce rappel là parce qu'on peut avoir des masques assez facilement si on veut prendre des précautions. Mais il est arrivé dans le plein. Il est arrivé sur le plein, il a resté haut, ça va. Même si le retour de la 2 pourrait. Voilà. En tout cas, c'est la meilleure chose à faire pour éviter d'avoir les masques. Voilà, les billes masquées. Donc là, il colle sous la big jaune, donc il ne peut pas la jouer, c'est pas facile. Il va sans doute rappeler la rouge tout de suite. Alors délicat, parce que s'il joue direct, on a le sentiment que la rouge ne va pas tourner. Donc il va jouer avec la bande, je pense. Avec la bande. Ouais. Il a un peu. Voilà, il s'est pas pris la tête là. C'est, Il a bousculé un peu la bille là. Ouais. Pour avoir les billes vers la petite bande. Ça se passe plutôt bien si la finesse passe. Oui, ça passe. Et là, il faudra reprendre un peu la dominante naturellement sur la, voilà. Sur la jaune. Il est dans une position assez confortable parce que la main gauche, il n'a pas besoin de s'appuyer sur beaucoup de billes. Et tant mieux, ça va lui éviter d'avoir un masque. Alors il a laissé cette jaune collée. C'est délicat parce qu'il faut gérer le contre là. Attention à la force qu'on va donner parce que. Ouais, il y a un petit peu trop de biais pour pouvoir jouer la bande, le couler sur la bande. Il joue le contre, il faut bien gérer la quantité et la force qu'on va donner. Voilà. Vous voyez, il a assuré le point, il n'a pas pris de risque. Là il va jouer une bande là, avec rappel de bande la jaune. Des réglages, tout ça, ce ne sont pas faciles. Celui-là est très très bien joué. Très bien joué. Manque un peu de mesure, mais bon. Il était dans une position délicate pour jouer. D'ailleurs, on voit qu'il n'est pas très content. Non. Donc ça va être le... Rappel 4 bandes, 3 bandes. La rouge. Ah, non, piquer plutôt. Il préfère piquer, rentrer un peu. Il hésite. Il hésite encore. La rouge pleine, je pense qu'il peut faire quelque chose avec un amorti. Voilà. Ouais, même si la rouge va tourner un petit peu trop, mais s'il arrive à bien amortir sur la jaune. Ça, c'est parfait. C'est parfait. Avec, voilà. Ouais, il a réussi à prendre vraiment très plein. Il a fait le bon choix, je pense. Et, il a bien fait de changer d'avis. Ouais. Voilà. Donc, il est... L'angle était un peu trompeur, on avait plutôt le sentiment que la rouge allait beaucoup plus tourner que ça, mais... Est-ce qu'il passe entre les deux là, ou il double là? Non, il n'est pas facile à passer. Une bande de la rouge peut-être, à droite. Ouais. Une bande de la rouge, oui. Pour se replacer à la rouge pour un 0 pour 3, normalement, en principe. Derrière, voilà. Parfait, là il va rappeler la rouge en 3 bandes. Et après ce coup-là... Il devait avoir la ligne en principe. On peut le voir dans une situation un petit peu plus confortable. Voilà, il a
est bien amorti sur la... Ouais, la rouge, elle est un peu montée. Elle a tourné un petit peu. Tourner, il fallait mettre un peu plus d'effet. Il de l'effet à droite un peu pour la tenir là-dedans, mais il a juste sans effet, il a remonté un peu. Alors deux voilà. Choix là, le massé plutôt. Massé, oui. La quantité n'est pas, très importante puisque, qu'il y a de l'écart entre la jaune et la rouge. Et regarde le banc d'avant parce qu'il est peut-être gêné par la hauteur du billard. Ils sont un peu hauts les billards pour. Mais. Ouais, tu as raison, il va choisir la bande avant. La bande avant peut-être. Il est gêné, il préfère ne pas prendre de risques. Par contre, voilà. Vu l'écartement entre la rouge et la jaune, il y a une grosse arrivée. Ça va plutôt être un placement sur la rouge. Ouais. Un peu fort, hein, mais. 28. Mais il est arrivé gros, il ne peut pas le rater en principe. Donc là, il a la rouge à jouer. Il faut bien caramboler la 3. Est-ce que la mesure est la bonne? Ah, le contre. Le bon contre. Une bande, rester près de la 3 éventuellement. Voilà. Je pense qu'il a cherché à déborder un petit peu pour avoir le placement. Ouais, il est trop gourmand là. Hein. Peut-être un peu, ouais. C'est vrai qu'il y avait. Trop gourmand, difficile ça. C'est faisable, mais très difficile là. Il y avait un petit peu de distance quand même à parcourir. Et donc, là, il a un peu l'éventail là. Hein. Oui, d'ailleurs, il le voit. Oui. Parfois, il faut savoir attendre et parfois, il faut savoir prendre des risques. Mais là, il est obligé de jouer un piqué rentré. Peu de billes, un peu, pas trop non plus. Avec des faits à droite pour donner la direction. Il reste sur la 3, c'est pas mal. C'est ça qui est important surtout, voilà. On ne peut pas rappeler la 2 là où va la 3, donc là il va jouer. On pousse surtout pas la 3. Moins de billes plus bas pour corriger un peu la 2. Voilà. Ah voilà, il carambole sur la finesse, il prend une dominante un peu inespérée. Attention au masque. Ouais. Très difficile pour Michel. Mais il est sur la table, comme on dit. C'est lui qui joue. Et... En attendant des jours meilleurs. Voilà. Donc là, il a poussé la rouge pour rester sur la jaune. Il a un biais pour doubler en principe. Oui, parce que. Avec de l'effet à gauche pour entrer mieux. On a du mal à voir sur l'écran si le demande. Ouais, il va doubler sur la longueur, comme on dit. Doubler la longueur. Voilà, plein. Mais le biais est peut-être pas assez favorable pour que. Ah non, donc du coup, il prend. Moins plein, il balance la 3. C'est une autre forme de doublé. Mais il est loin de billes, mais les billes devant. Voilà. Il a tout misé justement sur le rapprochement entre la 2 et la 3, ouais. Même s'il savait que la force de la sienne allait être un peu trop conséquente avec la quantité de billes qu'il prenait. Donc là, il est loin, il a une touche de. Voilà, attention. Il va jouer la jaune sans doute. Voilà. Bon, même s'il y a un petit contre, je pense qu'il n'y a pas de place de passer derrière la rouge. Il choisit de jouer la rouge. Ouais. C'est pas mal du tout. Ouais, pas mal. Pas mal du tout. Attention. Tout va bien. Voilà. Petit massé placement sur la 3. Il peut se placer sur le débit, mais plutôt sur la jaune, il cherche. Voilà. Mais il a la rouge aussi. Voilà. S'il peut jouer, il rappelle. Ouais, il va remettre les billes en paquet, même s'il va être au milieu du grand cadre. Voilà. C'est l'esprit du jeu, on regroupe et on attend pour gérer après derrière. Voilà, parfait. Il y a un coup pour sortir. Donc y a pas de... À partir de là, il peut-être éventuellement c'est un placement pour aller vers l'ancre, vers la ligne. Un appel de long, voilà, c'est ce qu'il fait. Mais il va préférer, il a un peu trop d'ancre, donc il va jouer la jaune encore.
même si tout n'est pas parfait, voilà, on arrive après ce rétro en longueur déjà à 40 points. Il n'a pas réussi à aller vers la ligne encore. Il y a eu 2-3 occasions qu'il pouvait. Non, c'est jamais facile au cadre 71-2 de prendre la ligne assez vite. Mais il assure le point en Oui, il n'a jouant. pas été trop gourmand et Non. pour l'instant il ne s'est pas mis non plus dans de grandes difficultés. Non, mais le... Voilà, il arrive toujours à bien rester sur la 3 pour que le coup d'après soit. Il prend aucun risque. Hein. Il joue pas la rouge là, il joue la jaune pour regrouper. Voilà. Ah, parfait. Peut-être une bande là, ou rappel direct, une bande là, la rouge, à attendre pour avoir un rappel sous la rouge. S'il peut jouer une bande, alors, bande avant plutôt, Bande même, avant. oui, pas, c'est la même chose pratiquement, une bande, voilà. Un peu masqué, il avait été, Ouais, c'était pas, il n'y avait pas un angle non plus. ouais, il avait Après, trop c'est d'angle. un mauvais choix, hein, Mais peut-être bon, que. là, il est dedans, il va sortir en bousculant les deux billes. Voilà. Voilà. Il gère plutôt bien. Oui, il gère plutôt bien, ouais. Ouais. Il gère plutôt bien. Maintenant, il va falloir qu'il prenne juste la petite attention supplémentaire s'il veut à Moment... certains moments prendre vraiment les billes sur la ligne pour pouvoir user un peu de la situation sans avoir de trop de rappels à exécuter. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est plutôt un bon début de match. Alors, Il va. placement sous la jaune avec un rappel jaune en principe, mais il va jouer la rouge juste pour me faire démentir. Il va partir au milieu du billard, attention, danger. Là, tout est. Si la mesure est bonne, ça va. Sinon, vous voyez, Ouais, il était un peu court. peu court. J'ai rejoué la jaune sincèrement pour. Là, c'est très, Alors, très délicat là. Hein. au début du match, deux coups, on se disait justement qu'il avait joué le coup peut-être un petit peu fort, il manquait de mesure. Et là, c'est l'inverse, deux fois dans le tiers, à 10-15 points d'intervalle, où il laisse la 2 en panne. Et là, il se met dans la difficulté. Ouais. Là, il est en danger là, hein, parce que là, les billes est compliqué. Est-ce qu'il va jouer le direct ou une bande, le coup naturel? Ah, il joue rétro direct, aucun risque. Voilà, aucun risque avec le cassé, comme on dit, de la 2. Il veut peut-être montrer à son adversaire qu'il ne sera pas la table comme ça aussi. Ouais, c'est ça, ouais, peut-être. Et on sait que la force de Nielsen, c'est le petit point, peut-être qu'il. En tout cas, c'est des coups qui sont quand même bien exécutés et qui lui donnent confiance aussi. Donc, Oui, sans doute, oui. Mais il est loin des billes. Attention, tout peut arriver aussi à n'importe quel moment. Parfait. Un coup qui porte, très bien joué, coup naturel, avec un rappel approximatif. Il s'en sort bien. Notre ami Michel. Oui. C'est un Hollandais très sympathique. Ah, très sympa, oui. Michel Masevloet, il était Tout à deux fait. fois deuxième en championnat d'Europe, il n'a jamais gagné. Et une fois troisième. Oui, depuis un certain nombre d'années sur le circuit. Oui, il a 52 ans. Voilà, Il a de nombreux podiums, hein, nombreux podiums en championnat d'Europe, mais c'est vrai que. du podium, deux fois deuxième et une fois troisième. Il était quand même 11 fois champion de Hollande. C'est très difficile à Hollande d'être champion. C'est un très bon joueur. Voilà. Là, il est toujours pareil. Il gère un peu la situation. Il essaye d'avoir les billes. Il fait des rappels. Il a magnifiquement joué. Voilà. Avec petit contre favorable. Mais il est loin du tiers du billard. Hein. Un Donc, petit peu trop d'écartement peut-être ouais. entre la. Il va passer, je pense. Il passe entre les deux. Oui, mais les billes, placement rouge, tranquille. Voilà. Oui. Passe, ouais. Donc, rappelle une bande avec un amorti. Là, il y avait juste le biais qu'il fallait. Ouais.
Donc il va jouer finesse là et avoir le bit devant lui en principe. Voilà. Donc sans doute la zone. Oui, attention à la distance. Ouais, attention à la distance, mais la rouge. Il peut. Parce qu'il est dedans, il faut qu'il sorte. Donc, ouais, donc il peut piquer. Il peut piquer, ça permettra à la jaune de pas mettre la 2 sous la 3 comme on dit. Hein. Voilà. De ne pas avancer trop vite et puis lui d'avoir un peu plus de recul. Il faut créer un zone de rappel, il faut sentir la zone de rappel, la vitesse d'exécution pour mettre la 2 sous la 3. Voilà, c'est ce qu'il fait. Il y a des masques, il y a des risques de masques dans ce genre de points. C'est ce qui se passe là. Oui. Voilà. Il s'est masqué parce qu'il a, voilà, il a manqué un peu du plein. Un peu trop vertical, c'est des réglages. Son objectif, c'était de sortir la bille. Voilà. Et depuis tout à l'heure, de toute façon, on voit bien qu'il est plutôt dans l'assurance des coups, ouais. Plutôt que dans la prise de risque. Alors là, c'était pas forcément un gros risque, hein, mais à partir du moment où il piquait, il avait suffisamment de vie pour sortir cette rouge. Mais voilà, on sait bien que c'est... Là, il a joué une bande un peu fort. C'est toujours plus facile à commenter qu'à réaliser. Voilà. Là, c'est pareil, pas de risque. Là, on joue rétro en doublant un peu la jaune, en restant un peu sur dominante sur la 3. Voilà, pour avoir les billes devant. Bien joué. Très bien. Peu importe que la jaune prenne la petite bande ou la grande bande en premier. Donc, il a les billes devant lui, mais toujours au milieu du billard, loin du tiers du billard. Mais son arrivée sur le plan de la rouge était primordiale. Voilà, toujours un petit peu plein, donc ça... Un peu fort aussi. Hein. Ça, c'est surtout fort. Le plein, je pense, hein, s'il avait pris un peu moins de billes et un petit peu plus bas. Donc un peu mieux réglé, je pense que là... C'est intéressant aussi de voir ce phase de jeu, comment gérer les situations. Mmh. Voilà, parce que, évidemment, les cas où se sentent au jeu, ça se joue à l'encre, comme on dit, mais on a souvent les billes de loin. Là, il faut savoir gérer aussi. Hein. Complètement, ouais. C'est pas facile, on a souvent des points loin. Voilà. Là, il a plutôt de la réussite, il a bien joué le coup, donc un contre un peu qui lui donne une mesure. Ah, puis on sent surtout que c'est pas que ce n'est pas maîtrisé, il est vraiment conscient de ce qu'il fait, donc voilà, il assure les points et à un moment donné, je pense que... Il arrivera à prendre là. Il prendra les billes quand vraiment il jugera qu'il n'y a aucun risque. Là, il y a un rappel de la jaune. Est-ce qu'il double, est-ce qu'il joue en déplaçant la 3, on va voir. Est-ce qu'il... Voilà. Non, il joue la mesure, ouais. Il joue la mesure, parfait. Mais il a descendu un peu trop bas, c'est pour ça qu'il a un peu bas, mais il peut jouer en pivot par la grande bande. Voilà. Il n'est pas très content de lui. Mais c'est plutôt une bonne situation, parce qu'en jouant par la grande bande, un pivot, une ou deux bandes, il peut aller vers l'ancre. Tout à fait. Voilà, il a un appui sur la rouge qui est pas mal du tout. Donc, pas trop fin non plus, il faut prendre un peu de billes. Plutôt le deux bandes hein, pour fermer le trou. Plutôt le deux bandes, oui, voilà. Attention. Voilà. Là, donc il a très bien joué le coup. Il manquait peut-être un peu de deux, mais c'était pas facile à non plus à gérer. Donc est-ce qu'il va plutôt passer? Là, il passe à doubler. Il passe à doubler la rouge ou. Oui. Il passe à doubler la rouge, je pense. Voilà. Il est resté un peu sur la 3. Voilà. Le doublé sur la jaune maintenant. Un angle droit, donc amorti. Il est prêt, mais c'est bien joué. Et là, il peut prendre éventuellement la ligne. Ah, il manque un peu. Oh, tout va bien. Ça va. Tout va bien. Il a encore un angle droit avec amorti. C'est ce qu'il joue. Et là, il peut prendre la ligne, je pense, dans les bonnes conditions, mais dans le haut de la ligne. 71. Et voilà, le travail, petit à petit, il a réussi à prendre les lignes. Voilà, ça va lui faire du bien pour une petite phase de jeu, une plus grande, souhaitons lui. Mais donc il doit passer là, éventuellement, il doit passer pour redescendre vers la petite bande, hein, en plusieurs coups. Voilà. Voilà, 67 points. Voilà. Est-ce qu'il passe? Voilà, il passe, là il fait le passage pour se placer à la zone. Voilà. Il a monté un peu, il a un peu trop de biais, mais donc il faut se placer absolument bien sur la... Attention, les billards, ils piquent, voilà. Les billards sont roulants, là, il va piquer pour la mesure. Bien, bien joué, il a tenu la 2, voire un peu trop même, mais tiens. Ok,
un petit peu trop vertical peut-être. Oui, trop vertical. Mais il ne voulait pas la faire rentrer. Donc, mais disons qu'il s'est trompé du bon côté. Même si, pareil, même chose, dominante sous la 3 pour pouvoir rappeler la droite tout de suite après. Voilà. Oh, trop de biais là, attention. Un petit peu trop plein. Oui, trop de plein. Comme on est prêt, on prend plus plein que ce qu'on pense. Hein. Donc il pouvait enlever un peu de quantité. Exactement, oui, voilà. Tout à fait. Et là, pareil, est-ce qu'il va jouer un pivot par la grande bande? Une bande où il va jouer le massé. C'est dommage parce qu'il avait une occasion de prendre les J'ai billes, vu hein. Michel 26 foot être un petit peu plus soigné dans toutes ces phases de jeu pour lui permettre d'être un peu plus précis sur le résultat. Ouais. Mais peut-être qu'il n'est pas libéré encore. C'est ça, ouais. Alors soit c'est vraiment parce qu'il n'a pas envie de. Voilà, comme on disait, il a envie d'assurer tous les coups et il n'a pas envie de prendre. Il n'a pas envie de laisser la table. Hein. Il n'a pas envie de laisser la table, ça c'est sûr. Voilà. Ça c'est sûr. Donc il était dedans. Oh. Dedans. Il était dedans. Donc coulé sur bande avec doublant la 2. Coup très difficile. Il s'excuse parce qu'il a pris une dominante un peu inespérée de loin. Mais bon, ça fait partie du coup. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Patrick rigole. S'amuse, il bouge la tête. Il se dit, oh là, je suis parti dans un scénario compliqué. Ouais, bien sûr, bah oui, parce que son adversaire, forcément, se dit, bon, bah, c'est pas non plus. Mais il est loin de billes, attention, là, les dedans, après, vous voyez, ça va. Il peut jouer la rose. Mais il y a encore de la route. Hein, je parce pense que Patrick Nissen aurait fait peut-être d'autres choix, en tout cas, aurait été un petit peu plus méticuleux sur. Et appliqué sur certaines phases de jeu pour prendre un peu plus les billes. C'est ce qu'il se dit, sûrement. Sur sa chaise, mais. Ah bah, il y a un point délicat encore, à moins qu'il puisse jouer derrière. Ah oui, il doit passer. S'il colle pas. L'essentiel, on le sait bien, c'est de rester sur la table et c'est ce qu'il fait de fort belle manière. Maintenant, voilà, il se met. Mais là, par contre, il est endasé parce que si l'espace entre la bande il est assez suffisant, est-ce qu'il peut jouer à plat ou est-ce qu'il faut masser? Après, s'il masse, c'est pas facile. Hein. Tu vois, il va jouer deux bandes avant, il va faire même trois. Une bande avant, je pense. Oh non. Une bande avant. Dans le trou, il joue. Non. Une bande avant. Deux bandes, il a fait. Petite, grande. Deux bandes avant. Petite. Je ne l'ai pas vu. Ouais. Peut-être même trois. Je ne l'ai pas vu, mais tu as tout le temps raison, Nicolas. Non, pas tout le temps, non. J'ai petite bande et il a retouché la bande après. Donc, il était difficile, hein, la situation. Il perd souvent les billes, mais il est toujours sur la table. Je vais me mettre plus face à l'écran parce que j'ai l'impression que tu vois mieux que moi. Hein. Ah, ouais. Ah oui, d'accord. Je comprends. Ça y est, voilà. Je suis bien positionné. Donc, Michel toujours dans la difficulté. Patrick, il espère de jouer. Il s'est dit, il va rater un moment. Bon, mais il est quand même à 76 avec des billes, comme on dit, en vrac un peu tout le temps. Tout à fait, oui. Voilà. Donc là, il joue un coup. En deux bandes. En deux bandes. Donc, attention. Attention, voilà, carambolé sous la finesse. Il espérait carambolé un peu plus plein la 3 pour avoir les billes devant. Mais il reste. C'est pas mal pour le. Pour une bande coup naturelle. Un petit rejet naturel sur la bande, Avec de l'effet, je pense. Un coup naturel, une bande. Après le choix, est-ce qu'on joue fort ou est-ce qu'on reste sur la 3, on place la 2. Voilà. C'est ce qu'il regarde. Il regarde où il va arriver à la bande naturellement. Ouais, il la joue fort, voilà. Il a préféré. Et ça se passe plutôt, disons, voilà, moyen. Il a. J'ai rarement vu Michel Vassiflou jouer comme ça. Hein. Ouais, c'est un très bon joueur de bande. Il était vice-champion d'Europe à la bande. Mmh. En 2004 à Cervera, contre notre ami Alain Raymond, qui avait gagné à l'époque. C'était son titre. Voilà. Quelle mémoire, Nicolas. Eh oui, on était. Hein. Mmh. Ouais, voilà. Donc là, il va jouer pareil, un coup naturel là, avec beaucoup de billes pour appeler un peu, là, une grosse demi-bille pour appeler la 2, avec un peu de fait. Il a le retour du coin, il peut le faire en 2 ou en 4. Voilà. Il fait plutôt en 4. Voilà. Très très bien. Bien. Un peu fort toujours. Alors pour l'anecdote, Michel Vassiflout, il joue avec une queue de billard, avec un poids de 545 grammes. C'est beaucoup ça, c'est beaucoup. C'est pour ça, je le trouve toujours un peu fort, mais pour les séries, la plupart des joueurs jouent 490, 500, allez, 510 grammes, ok. Oui, avec le manchon, 510 maximum. Je lui demandais et j'étais étonné.
Mais il joue tout avec trois bandes, etc. Et il joue, il préfère. D'accord. 545 grammes. Voilà. Donc. Ah bah oui, ça permet d'envoyer un petit peu plus, ça Oui. c'est évident. Mais Maintenant, pour les, la mesure, pour la ce billard maîtrise. extra-roulant, c'est peut-être délicat, je ne sais pas. Mais bon, après, chacun ses sensations. Hein, Bien c'est, sûr. ouais. Là, pareil, là, il va jouer deux bandes. Il va jouer deux bandes, Deux ouais. bandes, un réglage, deux bandes. Là, le carambolage sur Si, la si rouge il rate, est. il ne laisse pas grand-chose, comme on dit, parce qu'il va partir. S'il le fait, il peut avoir une situation plutôt. Voilà. Plutôt favorable avec un rappel de la jaune. Mais il est toujours, c'est ce qu'on appelle le repêchage très délicat. De la grande demi-distance, Oui, grande demi-distance. Voilà, là il y a une espèce de rétro, angle droit, rétro, un ouais. peu. Je pense qu'il n'y a pas Une bande. forcément de trou derrière la Oui, rouge, une donc. bande, là il faut amortir un peu. Il faut amortir un peu là pour se rapprocher des billes. C'est ce qu'il a fait. Enfin, il manque un peu du plein, mais c'est plutôt bien. Ouais, la distance entre un et la deux Voilà. Là, un retro par la bande. était telle que le risque était à nouveau trop grand de prendre plus plein. Là, il va jouer retro une bande. Voilà. Et tout va bien. Voilà, tout va bien. Voilà. Là, il a regroupé les billes. Évidemment, il est au coin. Ce n'est pas la zone la plus favorable. Mais à partir de là, il peut distribuer le jeu un peu. Voilà. Donc, pas vouloir pousser trop la jaune. Il vaut mieux la pousser sur le rappel. Voilà, là il y a un rappel sans doute de la rouge pour pouvoir partir un peu vers l'encre. Ça, c'est un conseil qu'on Mais peut donner à toutes celles et ceux qui souhaitent faire un peu de progrès au cadre. C'est pas forcément mettre une bille proche de la ligne avant d'effectuer le rappel, mais c'est plutôt sur le rappel pousser la 3 la vers la ligne. ligne. C'est ce qu'il fait là, vous voyez. Mais il manque un peu du plein. On est en mesure de beaucoup mieux maîtriser le résultat. Il manque un peu du plein, il se retrouve avec un masque, mais il va sans doute jouer le La finesse de bande. finesse de bande. Il peut rester un peu sous les billes. Voilà. Tous ces points-là, ils paraissent faciles relativement, mais ils sont difficiles. Hein. Quand on est en Bien sûr, maths, ouais, tout à c'est fait. pas évident parce qu'on se trompe un peu sur la quantité Oui, puis là ou à l'effet. on a quand même 20-25 cm entre la 1 et Ouais. la 2, donc Voilà. il faut être précis sur la quantité. Voilà. Mais il prend aucun risque. Hein. Pour le moment, il est déjà à 85. En faisant trois fois le tour des billards, quatre fois, il a C'est vrai, changé le tir. c'est vrai. On est étonné, hein, par son jeu là. Étonné. Est-ce qu'il peut aller au bout comme ça? En tout cas, il va mettre une grosse pression à Patrick Nielsen. Ah ouais, c'est sûr. C'est sûr, parce que début de partie, ça peut être une surprise, mais on a déjà une surprise. Notre ami Van Bohem, il a éliminé Zverts. Exactement, tout à fait. Notre Juste avant Hollandais volant, Zverts. ce Voilà. troisième quart de finale, ouais. Voilà, à prolongation. Où Micha Van Borhem avait très bien débuté sa partie par une série de Voilà. 160. Et, Donc, quelques surprises à ce championnat. il a mis la pression à Raymond Schwertz qui a réussi à égaliser malgré les 200 points atteints à la sixième reprise par son adversaire. Et en prolongation, c'est Van Borhem qui l'a emporté. Donc grosse surprise, c'est vrai, dans cette épreuve au 4-71-2. Je n'aurais pas parié 1 € sur la Bohème, Non, je sincèrement. pense que tu n'étais pas le seul. Voilà. Donc là, Michel, il a repris. Il va passer entre les deux, mais il s'est placé en Non. trois bandes. Et pareil, il y a un mauvais biais tout le temps, quoi. Oui. Il n'a pas le bon biais. Là, il va se placer en rappel 4 bandes. Toujours pareil. Voilà. Trois bandes. Voilà. On Là, essaie il n'a de pas bien trop. amortir sur la 3. Attention au contre. Au contre, attention. Ouais. Un petit peu de réussite Ouais. que ça ne lui provoque pas un éventail. Ah, Ah, un petit problème, petit c'est souci sur la marque l'arbitre, peut-être. oui, l'arbitre qui l'arrête. Et il n'a pas nettoyé les billes une fois hein, depuis le Non, début, non? non. Hein? Moi j'aurais eu peur, j'ai nettoyé deux, trois fois déjà. Mais bon, comme on est loin des billes, peut-être que. Oui, on ne sait pas ce qui s'est passé, sûrement un problème à la table de marque avec le score. Donc le petit piqué sur la zone pour essayer éventuellement de prendre dominante sur la rouge. C'est du costaud jusqu'à maintenant, hein. C'est vraiment du missile plus très costaud. Voilà, piqué.
Donc Oui, il l'a envoyé, ouais. envoyé. Il s'est bien placé à longueur. Il n'a pas joué dans la dentelle, comme on dit, mais Du il a tout. fait le coup. Voilà. Mais c'est à l'image de ce qu'il fait depuis le départ, Oui. hein, donc voilà. Je pense que voilà, c'est lui qui se sent et. Là, j'étais étonné aussi qu'il joue direct. Il aurait pu jouer une bande avant, mais par la grande bande pour avoir les billes devant. C'est vraiment ce qui dégage chez Michel depuis le début du match, c'est vraiment cette volonté à Ne pas rater. pas rater. Ne Ouais. pas Et rater. puis. Là, il peut pas jouer une bande. Il va jouer, voilà, le coup qu'il porte, sans doute. Pas raté, puis d'un autre côté, enfin, il ne s'applique pas non plus. Va prendre les billes. Hein. Mais Mais pour l'instant, voilà, force c'est est de lui qui l'a constater que c'est raison. lui Hein. qui a raison, hein, tout Ouais, à fait. Ouais. tout à fait. Voilà. Il a plutôt quelques contre-favorables parfois, comme là. Donc. Ouais, même si c'est bien d'avoir les billes devant soi, mais là, il faut préparer le coup suivant. Ouais, placement éventuellement sous la rouge, je pense, pour rappel de long. Voilà. Attention à avoir le bon biais. Oui, parce que là, il n'y a pas trop le choix. Voilà. Il n'y a pas trop le choix avec Il ces manque trois un qui peu de étaient. biais là, vous voyez, il manque un peu de biais, donc il est obligé d'enlever de la quantité, donc il fait piquer même, vous voyez, parce qu'il n'a pas un biais favorable, il fait piquer pour. Voilà. Ouais, le sourire de Patrick Nyssen en dit long. Donc une bande, attention avec un poil de contrefait ou sans effet, essayer de se placer éventuellement sur la 3, sur la rouge, voilà, c'est ce qu'il a. Après, il a aussi la jaune éventuellement. On va voir son choix. Ouais. Après la rouge. En principe, il doit jouer rouge, une bande, grande bande, je pense, Oui. pour avoir le billet devant lui quand même. Voilà, Surtout pas trop d'effets voilà, pas trop de feu, un peu pour de ne feu. pas Voilà, une passer dans bande. le trou. Voilà, pas mal carambolé la 3, hein. Il n'est pas assez dans le trou. Ouais. Mais bon, il a Mais un bon. rappel avec une mesure bonne. C'était l'essentiel. C'est une bonne école aussi de voir ça, parce que ça permet de savoir comment on gère les situations. Parce qu'on dit que le jeu de série, c'est que les billes de près. Là, on n'a pas vu beaucoup de billes de près depuis le début. Mais c'est aussi, ça fait partie du jeu de série aussi. Tous ces points-là qu'il faut savoir gérer. Évidemment, le cadre 72-2, il a beaucoup de séquences comme ça, parce qu'on est loin des billes, c'est très Bien sûr. difficile. Les billards, ils sont roulants. Voilà. Petit piqué placement en longueur sur la rouge. Alors, faut pas hésiter à faire remonter Et un petit peu voilà, cette 100 jaune. points. Voilà. Série descend. 100 points avec un mélange de demi-distance, quelques grands points et quelques points plus rapprochés. Mais Michel est plutôt à l'aise. Il n'y a Ouais. pas de grosse erreur, en tout cas. Non, 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 Voilà. non. Il a eu 2-3 petits points difficiles à gérer, difficiles, mais il a bien géré. Voilà. Là, il se rapproche un peu des billes. Il va peut-être un peu, même si la zone n'est pas très favorable au 71, il doit se placer à longueur éventuellement là sous la rouge. Voilà, Voilà. petit coup d'une bande avec beaucoup Voilà. d'effet pour pas éloigner trop cette rouge et avoir un rétro plus maîtrisable sur le rappel. Je sens Patrick un peu désabusé dans sa chaise. Ouais, parce que je pense que Que lui, c'est pas changé du tout. sur la moitié des coups, je pense qu'il n'aurait pas joué de la même façon. En Ouais. tout cas, peut-être Voilà. Ah, voilà. Encore un placement la même pat. trajectoire, mais en tout cas pas la même application sur Là. le résultat. Donc là, il doit descendre la rouge sur la petite bande. Hein, et rester près de la 3. Voilà. Ah. Il a choisi ce côté-là, Ouais. ou pas, mais en tout cas, il arrive. Il doit être l'autre côté en principe. Mais là, Ouais. il est plutôt pas mal aussi. Je sais pas s'il l'a fait exprès, mais. Alors, il est à sa main aussi, quand même. Parfait. Mieux que s'il était de l'autre côté, c'est vrai. Un angle droit un peu coulé avec en Un petit baissant réglage, l'attaque, voilà, tout à petit fait, réglage, ouais. voilà. Et voilà. Ça manquait un peu de plein, mais il a repris un peu le contrôle de billes. Voilà, là c'est sur ce genre de situation-là. Qu'il faut amortir et avoir la mesure pour avoir le billes. Hein. Un peu fort, mais ça va, il a l'appui de la rouge.
Alors s'il va au bout avec cette facture de jeu, chapeau. Chapeau parce que même s'il n'y avait rien de très 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 difficile, il n'y avait rien de facile non plus. Pour l'instant. Là, il a reperdu le bille. Hein. Il a rappelé là. Il carambole bien la 3. Parfait. Il a gardé une bonne dominante. Voilà. Je suis étonné de son contrôle. Là, il est. Là, il... Alors, coulé ou placement? Plutôt coulé en glissant sur la 3 pour avoir le bille devant. Exactement. Voilà. Pour avoir le bille devant en glissant un peu. Là, plutôt placement. Un placement pour la rouge, un rappel de la rouge en trois bandes. Trois bandes, oui. Le coup classique au 71, là, on se place en rappel trois bandes. Pour pouvoir pousser cette jaune après vers la ligne. Vers la ligne. Donc il faut se donner le bon bien pour le placement. Parce que le placement, voilà. Déplacer un petit peu la jaune, mais pas beaucoup. Pas beaucoup pour lui laisser l'espace. Voilà. Oh là, il la déplace beaucoup pour pouvoir pour doubler. Doubler, oui. Ouais. Quand le doubler, il attache au contre, hein. S'il a le bon biais, ça va, mais s'il a un biais un peu. Ou alors une bande, doubler une bande ou moins plein, c'est des choix. Ah, il a. Des choix délicats à match. Il a l'angle droit aussi en une bande, oui. Ouais. L'angle droit, une bande, c'est. Au moins plein, en déplaçant la 3, on va voir qu'est-ce qu'il fait. Je pense qu'il joue une bande. Il joue une bande, oui. Avec des effets. Un peu pour passer la 2. Voilà, une bande. Voilà. Il n'a pas pris de risques encore. Hein. Il a pris moins plein, il a déplacé la 3. Et bon. Il a raison. C'est lui qui il est sur la table. Ah, il a sa 11. Ça se passe plutôt bien pour lui, le confiant. De toute façon, s'il n'y avait qu'une seule façon de jouer, ça se saurait. Hein. Donc, non. Celui qui a raison, c'est celui qui reste sur la table. Hein. Donc, s'il va au bout comme ça, oui. Alors là, celui-là, il est bien exécuté. Là, voilà, il est en position très favorable pour aller vers l'ancre. Voilà, il va se placer sous la jaune. Voilà. Donc là, sans doute avec la bande, pour fermer le trou, amorti. Tout à fait. La jaune qui revient en deux bandes. Ouais, il n'a pas pris de billes. Hein. Il a manqué de billes. Il le sait. Mais le problème, c'est ça, quand on est dans les grands points, à un moment, on perd la lucidité sur le petit très vite. Donc il essaie, il se parle à lui-même là, il s'est dit. Mais il arrive à gérer son émotion, à exécuter les coups sans se mettre non plus. Voilà, il n'est pas content du tout de lui, Il a manqué du plein là, l'amorti. Il avait l'occasion de prendre l'ancre là. Là, il va jouer une pour trois sans doute. Voilà, en balançant un peu le bille, voilà, une pour trois. Voilà, ça c'est pas mal ça. Là, il peut avoir un masque. Attention, danger. Ça va. Oh, non, il a un masque. Voilà. Vous voyez, voilà. Là, c'est une première grosse difficulté. Là, voilà. Là il même sait si les billes sont pas loin, c'est vraiment. En plus, il a une grosse déception d'avoir perdu les billes. Là, il faut gérer l'émotion un peu. Complètement, oui. Voilà, bande avant. Il joue bande avant en longueur. Non. Enfin, il peut jouer bande avant, petite bande, oui, quand même. Donc, il peut arriver un peu plein sur la 3, mais pas trop non plus. Hein. Sur la 2, pardon. C'est ce qu'il fait. Ouais. Et notre masque derrière. Voilà, il était main gauche, hein, main étrangère. Et ouais, bon, il est arrivé sur peu de billes, donc il a pris le masque. S'il arrivait un peu plus plein. Et puis voilà, il a. Mais c'est pas facile tout ça, hein, c'est pas facile. Hein. Une grosse fatigue avec ces serres-là. Il a voulu aussi l'assurer par la force. Hein, donc voilà, c'était. Une bande. Un résultat sans logique. Effet, je pense. Sans effet ou un peu de fait à droite. Oh, voilà, attention. Ah. Bien. Tout va bien. Tout va bien pour lui. Il se rapproche de la jaune pour le rappel. C'est toujours préférable que d'avoir plus de distance. Est-ce que ça tourne là ou est-ce que ça rentre plutôt en petite grande? Oui, deux bandes. Petite grande. Deux bandes, trois bandes, voilà. Et il a repris un peu le contrôle de billes encore. Voilà, il est plutôt bien là. Avec un appui sur la jaune, parfait. Tout va bien. Là, il peut reprendre la rouge un peu. J'espère qu'il pourra se reposer un peu avec quelques points faciles parce que là il y a une grosse fatigue source. Nerveuse un peu. Oula. Il a raté. C'est incroyable. Il rate le coup. C'est incroyable. Alors est-ce que. Il a mis un peu d'effet. Est-ce que ça a favorisé un peu l'éclatement? Il n'a pas joué très fort, mais. Il a pris un peu plein.
Mais comme tu disais, Nicolas, il n'a pas fait nettoyer les billes du tout depuis le 118 points. Et je pense que là, les billes commençaient à être un petit peu moins, un peu moins souples. Voilà. Et Patrick mais Nissen, alors que son il va faire nettoyer les billes. Voilà. Son score est vierge, je demande la pause. Il rigole, Patrick. Il se dit que bon, ok. Donc l'arbitre est en train de nettoyer le billet. Patrick Nissen, je vois qu'il a une situation, un masque. Donc on verra comment il va gérer ce début de série, si les affaires le premier. Oui. Pas facile, on verra. Mais il est déjà heureux de jouer, je pense. Je pense. Oui. Je pense parce que oui, c'est vrai que à un moment donné, il devait se dire est-ce que ça va aller au bout ou pas. Oui. Oui. Voilà. Bon, on verra. Une petite pause de 3-4 minutes. Oui, une petite pause, on se retrouve dans 3-4 minutes. Voilà, à tout de suite. À tout de suite. Retour au jeu après la pause de 5 minutes. Après la série de 118 de Michel Vassefloot, Patrick Nissen à la main avec une situation délicate. Il est entré avec un masque. Voilà. Il sait qu'il faut faire attention parce que s'il fait une erreur, Vassefloot peut finir derrière. Donc il choisit de jouer bande avant.
Voilà, il assure le point. Avec un peu d'effet, il ouvre l'angle. Voilà, bien. C'est important de ne pas rater dès le départ. Donc, il a des distances relativement grandes sous la rouge, donc choisit de jouer un rappel de 3 bandes de la blanche. C'est ce qui est fait avec un rappel de la blanche. Et en plus, il réussit à prendre une dominante un peu inespérée, mais voilà, ça fait partie du point. Donc, il a un coulé pour mettre les billes devant. C'est ce qu'il fait. Donc, et là, il se retrouve avec un point avec un peu trop de biais. Éventuellement, jouer par la bande. Il regarde s'il peut jouer par la bande, c'est ce qu'il joue. Une bande ou deux bandes. Patrick Nissen, qui était 4 fois champion d'Europe, donc 3 fois 71, 2. Oui. Donc c'est un grand spécialiste, mais plutôt dans un jeu plutôt très fermé, plein de l'encre. C'est vrai, c'est vrai, voilà. C'est vrai. Voilà. On le connaît justement pour son petit jeu. Voilà. Donc, de la dentelle, diront certains. Qu'il joue deux bandes là. C'est vrai que c'est un des tout meilleurs spécialistes, voilà, sur la ligne. Deux bandes. Lui, quand il prendra les billes, il fera tout pour le garder. Hein. Ça, c'est sûr. Et son dernier titre remonte à 2005. Hein. Voilà. Donc presque 20 ans. Ouais. Il a fini quand même deuxième l'année dernière au 42. Au 71-2, pardon. 71-2 à Montbrison. Contre notre ami Willy, son premier titre. Voilà. Willy qui est toujours en course, qui s'est qualifié en demi-finale tout à l'heure. Contre Van Bochem. Rappel 3 bandes avec amorti pour prendre la ligne. Voyez, les amortis sont beaucoup plus. Déjà, on se rapproche un peu. Alors, délicat. Oui, parce que le massé est vraiment compliqué parce qu'il faut vraiment envelopper sans prendre trop de billes. Il a un peu remonté là. Il va plutôt choisir, je pense, la finesse une bande. Ou bande avant, on verra. C'est des couilles. Il va prendre toutes les précautions pour ne pas passer la main, pour ne pas rater, parce que pour lui c'est important. Voilà, c'est sûr, si il était amené à repasser la main. Ce serait très dommageable. J'ai une bande. Voilà, finesse une bande. Bien joué. Voyez, il a pris son temps pour bien regarder l'angle. Ah, on a vu. On a bien vu l'application. Donc il est entré. Il va sans doute reprendre la dominante sur la 3. L'application que Michel, il rappelle. Michel Van Sifoot n'a pas mis tout à l'heure sur certains points. Mmh. Et là, on voit bien que dès qu'il y a l'application avec un joueur de la trempe de Patrick Nissen. Ouais. Là, il a bien dominé son angle droit. Il reprend les billes de près et voilà. Il y a une faculté de prendre les billes sur la ligne et de les conserver surtout. Là, il va exploiter au maximum. Là, il va essayer de passer entre les deux billes à un moment. Voilà, pour revenir vers le tir du billard. Il ne va pas les lasser comme ça, je pense. Là. Pour lui, c'est une occasion. Ah, bien sûr. Passage entre les deux. Ou rappel de blanche s'il juge que le passage est compliqué. Voilà. Il va passer. Placement sur la rouge. Voilà. Un peu trop près, mais ça va, il a le bon angle. Il voulait pas trop monter pour avoir le bon angle. Mais bon, c'est des coups qu'il joue très souvent, Patrick. Ah oui, là, il est dans son élément, comme on dit. Hein. C'est dans vrai son domaine, oui. Oui. Voilà. Patrick Nissen, 57 ans, qui a un club de billard à Jundedal, en Belgique. Oui, il est propriétaire d'une salle, hein, c'est oui, ça. Ouais. Voilà. Donc tout ce petit point en gardant l'appui. Voilà, un moment on se place pour appeler. Parfait. Donc vous voyez tout un autre jeu.
Ça n'a rien à voir ah avec bah là, la Suisse. Non. Pour l'instant, non. Voilà. Non. Il y a eu un petit, petit butage. Ah, ah, il a fait faute. Oui. Il a fait faute. Non, je pense que. Non. Ou butage, non, non. Il a fait faute. Ou butage, ou il nettoie les billes. Je ne sais nettoie pas. Les billes. Non, il nettoie les billes. C'est bizarre. Il est allé s'asseoir, il ne comprend pas. C'est bizarre sa réaction. Ouais. Je n'ai pas compris ce qui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé. Parce qu'il a fait nettoyer les billes juste avant la reprise. À moins qu'il y a eu un engrenage sans doute. Non mais il joue, ouais, d'accord, oui, ok. Oui. Il a un engrenage, oui. On a eu peur qu'il avait. J'avais le sentiment qu'il n'était pas arrivé sur la 3. Oui. Et oui. Non, non. Il était peut-être. Il a eu une réaction de la bille qu'il a en un peu. En voyant faire son signe de la tête négatif, j'ai pensé qu'il avait raté le point. On attendait le retour de la 2 sur. Sur la sienne, mais bon. En tout cas, il a eu un butage et il a fait nettoyer les billes. C'est bizarre parce que la situation est très favorable. Voilà. Donc, il continue. Donc, petit point, il va rester sur la bille. Là, il va exploiter au maximum. Il est un peu haut sur la ligne. Hein. Attention aux déviations, parfois. Ça peut être délicat. S'il y a une déviation, ça va, parfait. Vous voyez la déviation là, un petit peu. Il n'avait pas non plus de non. Énormément d'angle, hein, peut-être. Non, vous voyez, il a perdu un peu. Vous voyez, il a perdu la... C'est difficile quand tu es dans le haut de la ligne. Alors, la moindre déviation, ça peut être délicat. Là, il est obligé de jouer, voilà. On rappelle sur la sienne. Ouais, avec le contre qui donne éventuellement dominante, mais... Voilà. Ouais. Parfaitement joué, voilà. Ouais. Patrick qui m'a confié avant le match, on a parlé un peu, qu'il se sentait plutôt pas trop bien. Mais il n'était pas très en grande forme, mais il fera son meilleur pour gagner le parti, il m'a dit. Mais il préfère jouer des distances plus longues. Oui. Voilà. Il a sorti de la poule avec notre ami Pascal Dessin, et l'Allemand Riedel. Voilà. En jouant plutôt moyen. Voilà. Encore la déviation, vous voyez. C'est bizarre. Un joueur de son niveau a insisté sur la déviation. Il l'a vu une fois et là, il a joué angle fermé. Oui. Et il perd le billet. Oui. Et c'est pas sa force quand il perd le billet. Il aurait pu descendre un peu plus vite. Voilà. Il est un petit peu agacé de ça, oui. Un petit peu agacé, ouais. Mais c'est un peu sa faute aussi. Et sans vouloir le critiquer, je pense qu'il a vu avant, il a perdu une fois les billes. Deuxième fois, c'est pour ce joueur de sa force, c'est un peu dommage. Parce que bon, là, il peut encore gérer. Petite finesse, piqué, placement. Voilà, c'est ce qu'il fait. Oui, il est un petit peu ailleurs. Oui. Mais pas trop bien, il m'a dit, mais bon, il est capable quand même de faire la série de descents. On l'a déjà vu. Après, il faut qu'il soit bien dedans. Donc, rappel amorti. Il déplace un petit peu la 3. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il regarde. Il regarde le tableau, on dirait. Voilà. Il n'est pas complètement à son jeu. Là, il va jouer un pivot là, par la grande bande. Il peut reprendre l'ancre hein, assez vite là. Ouh là là là, danger, oui. Voilà, attention. Il est obligé de jouer un banc d'avant assez fort. Pour. Il n'a pas choisi de jouer une bande ou deux bandes. Il a joué entre les deux, il était dans le trou. Donc là, bande d'avant dedans. Il faut qu'il arrive plein sur une bille pour la sortir. Hein. Et voilà. Non, mais on le sent pas complètement dans sa partie. Non, déjà. Agacé depuis le départ. Ouais. Probablement déjà par la série de son adversaire. Et puis c'est vrai que depuis qu'il a repris la main, il avait pris les billes, mais bon. Des mauvais choix avec les déviations, là, j'ai pas compris. Voilà. C'est là où Patrick il s'est peut-être pas adapté sur le matériel. Oui. Il était plutôt pas trop mal juste avant la petite séquence avec le butage où il a fait nettoyer les billes et après depuis c'était ouais. Un peu compliqué donc je sais pas ce qui s'est passé mais voilà. Dans sa tête c'était pas clair en tout cas.
Il a laissé une situation favorable avec Michel, mais voyez, Michel, tout de suite, il n'a pas pris de risques. Il fait le point. Il sait qu'il peut. Il a la main. Il peut mettre encore plus la pression sur Patrick Nielsen. Mais déjà, il est loin de billes, comme on dit. Ah oui, non, mais là, il joue. Il joue le match d'homme. Il joue fort, ouais, c'est ça. Il joue fort. Ouais, il joue. Oui, il joue. Voilà. Mais. La difficulté ne lui fait pas peur, donc bon. Il est solide à la bande, il joue même aux trois bandes, ce n'est pas le cas de Patrick Nielsen. Hein. Il est quand même assez... il joue aux trois bandes, même assez floute un peu, m'a dit. C'est un joueur solide. Donc il peut voyager, comme on dit. Si Patrick n'a pas les billes très près, s'il ne sent pas le matériel, c'est difficile. D'ailleurs, hier avec notre ami Pascal, il a eu du mal. Il a fait 10 reprises, 150 points sur une partie défense. Oui. Donc il n'est pas très bien. Alors, il va jouer un placement sur deux billes sans doute. Oui, il faut pouvoir remonter quand même cette rouge sans. Un petit peu, oui. Remonter pour la rejouer ou se placer à la jaune. Voilà. Ah, il a pris un peu trop de billes. Trop de billes. C'est bizarre qu'il n'a pas mis. Il fallait un peu d'effet contraire. Oui, non, il a cherché les deux, mais les deux n'étaient peut-être pas forcément possibles. Donc il fallait peut-être se concentrer uniquement sur l'arrivée sur la jaune. Et puis voilà, à partir du moment où on arrivait dans le plein, on n'était pas trop mal. Mais là, il a essayé de jouer un peu les deux, ce qui fait qu'il s'est retrouvé placé sur aucune des billes avec une difficulté. Est-ce qu'il rappelle la jaune? Oui, il rappelle la jaune par la longueur. Rappel de la jaune, une bande directe. Il fait direct. Voilà, rappel. Là, ça va commencer à se compliquer, sérieusement. Et là, il a été puni immédiatement. Là, on part dans le repêchage. Attention aussi de ne pas trop naviguer comme ça, parce qu'à un moment, Patrick Nielsen, s'il prend le billet, il pourrait lui faire du mal. Il ne faut pas qu'il s'entraîne trop. Alors, bande avant. Bande avant. Et deux bandes après. Parfait, tant mieux, il se rapproche de la rouge. C'est préférable de pouvoir la jouer plutôt que d'être loin des deux billes. Ça fait sourire à nouveau son adversaire qui s'agace un petit peu aussi sans sachet. Je pense que c'est ce qui l'a aussi un peu miné avant de reprendre la main. C'est qu'il juge que son adversaire ne joue pas les coups comme il le faudrait, avec la précision et l'application qu'il faudrait, et qu'il est souvent récompensé. Et ça agace un petit peu Patrick Nielsen. En tout cas, force est de constater que Michel est toujours sur le même registre que sur sa première série, et c'est lui qui a pour l'instant le match en main. Voilà. Et les points vont défiler. Il a changé de tir à nouveau. Dans une position favorable. Avec le billet devant, il va sans doute rappeler cette jaune. Il va se rapprocher de l'encre. Très bien. Un petit peu fort sur cette Il est à cheval, cette jaune. Cheval, il peut jouer direct. Ça aurait été mieux de pouvoir le jouer à plat, avec une jaune un petit peu plus près de la petite bande. Mais il l'a assuré encore, une fois de plus. Boum. Ouais, c'est... Ce qui est bizarre, là, il prend aucun risque. Bah ouais, parce que bon, là il s'agace du résultat, mais là depuis quand même 130 points, il a bien vu que sa manière d'envoyer le coup était souvent un petit peu fort. Donc c'est en toute connaissance de cause qu'il joue ça, même si peut-être c'est à nouveau, et ça on peut pas être à sa place, c'est peut-être la pression aussi, hein, l'enjeu du match, hein, qui le fait assurer un petit peu trop les coups et qui le met en difficulté. Mais bon, difficulté qui est toujours
qui est toujours assez facilement surmonté quand même, malgré tout. Donc ça c'est pas mal du tout. Avec un contre favorable, sans doute la rouge. Il a rappelé cette rouge par l'éclatement naturel, une bande avec suffisamment de billes, peut-être pas assez, pas suffisamment de billes. On aurait été un petit peu plus proche de la jaune et la rouge aurait eu un petit peu plus de force pour revenir. Mais il n'y a rien de dramatique. Voilà, ça c'est bien amorti. Alors on voit encore les lignes du 47-2 il y a deux jours. Mais là c'est bel et bien au 71-2 qu'on joue, donc il est. Donc un placement sur la zone. Voilà, pour pouvoir sortir en piqué ou en rétro. Alors est-ce qu'elle passe dans le trou pour rappeler en trois bandes? Je pense que oui. Ouais, rappel trois bandes. Éventuellement une prise de l'ancre. Voilà, c'est bien joué. C'est très bien, ça, oui. Voilà. Et voilà. Ah. Pour la première fois, il a l'ancre depuis le début de la partie comme il faut. On va voir comment il va exploiter. Il a l'occasion de finir la partie même là, s'il contrôle un peu le. Voilà. On va voir. Ouais, il a joué. Ouais. C'est pas encore ça. Hein. Il est tendu, mais. Ouais, il a de la chance de ne pas coller là-dessus. Enfin, ouais. Après, il avait une petite bande avant à jouer, mais. Ouais. Oui, on sent son bras, oui, tout à fait. Là, le geste ne trompe pas, c'est pas forcément voulu d'être. D'être aussi loin des billes et d'assurer le point, je pense que son bras est un petit peu tendu. Mais, ce qui est complètement humain, mais c'est vrai que c'est dommage pour lui de ne pas s'être appliqué un petit peu plus sur la position qu'il y avait il y a encore deux coups, trois coups. Bien oui, rattrapé. S'il gagne. Il n'y aura rien à dire. Il n'y a rien à dire. S'il perd, il dirait dommage. C'est mais ça. Bon, c'est toujours une bande pour rejouer cette zone éventuellement. Peu de billes, pas trop loin. Voilà. Il a la rouge en longueur aussi, qu'il a une bonne rentrée vers la ligne, donc il ne va pas. C'est ce qu'il choisit. Il va pas le refuser. Un tout petit peu plein. Ouais. Un tout petit peu plein, mais bon. Allez, petit placement sur la rouge. Donc il passe en dominante devant la rouge. Voilà, c'est bien. Et là, il a le bon biais pour venir dans le trou et fermer. Le tiroir un peu en piqué. Ouais. Non, il choisit plutôt. Direct. Le direct. Avec la rouge en deux bandes, c'est pas mal. C'est pas une mauvaise option, c'est une bonne c'est option aussi. Ouais. Voilà. Là, il peut se placer après pour rappeler tout de suite. Voilà. Et rappeler en trois bandes, je crois. Trois bandes avec pareil amorti pour voir la ligne. C'est ce qui est fait. Parfait. Ok. Deuxième occasion. Petit placement sur la jaune en s'appuyant un peu sur la rouge. Ah non, en s'appuyant sur la jaune, pardon. D'accord. Oui, c'est un petit peu trop de biais, ça. Mauvais biais. Il fait des petites erreurs au moment. Il était entré, je pense qu'il aurait pu creuser un petit peu et faire un petit rappel en. Petite bande. Sur la petite bande, oui. Hein, éventuellement. Oui. Que c'était, en creusant un peu avec l'effet, c'était. Oui, bon. Ça aurait pu. Un rappel à une bande ou un rétropassage sur la petite bande, pareil, ça aurait pu. Mais là, il faut biais. Donc il va jouer un rappel tout de suite en réglage, il faut bousculer la 3, attention danger là un peu. Hein. Sur tous les points. Ah c'est bien carambolé ça. C'est bien carambolé. Oui. Attention, ça va, ça va. Toujours quand on bouscule la 3, voilà. Donc ça sort bien. On reste à proximité de cette rouge. Et derrière, il pourra par la finesse de la rouge sortir la blanche. Non, rappel. Rappel de long. Ouais.
qu'il a raison, il était peut-être un petit peu loin pour sortir en finition. Je pense qu'il est parti dans un registre de ne pas rater, de faire tout le point. Oui, c'est ça. Voilà. Donc bah, il n'a pas envie forcément de se changer. Il ne se sent pas bien. Donc, non, il ne se sent pas, voilà. Ouais, ouais. Parce qu'il est capable de jouer beaucoup, beaucoup mieux au billet de près, on le sait. C'est évident, tout à fait. Évident. Ouais. Mais quand on ne se sent pas bien, il faut être aussi assez fort pour jouer dans ce domaine-là. Ouais, c'est là toute sa force, hein, ouais. Parce que voilà, c'est là qu'on voit que c'est vraiment un joueur complet, comme tu disais ouais. Tout à l'heure, que voilà, il sait jouer de différentes manières, et puis il choisit celle qu'il juge la plus propice en ce moment pour lui. Mais comme on le dit, bah, c'est forcément lui qui a raison, parce que pour l'instant le score parle en sa faveur. 48 points encore pour finir sa distance. Un petit moins de billes plus bas. Voilà, il recule, c'est voilà, pour avoir les billes dans l'ancre, parfait. Ouais, toujours un petit peu fort, c'est à peine. Voilà. C'est là où je pense son poids de queue, ça ne l'aide pas, mais bon, après, c'est, voilà, il joue avec un procédé. Après, c'est pas mal parce qu'il est coulé. Et en plus, il joue avec un procédé hard. Hard. Très rapide. Alors là, il n'a pas de placement du tout. Non. Ni sur l'une, ni sur l'autre. Il la joue direct, peut-être avec le massé par la bande. Il aurait été un peu mieux placé pour ce rappel en deux bandes. Il est un peu haut le billard, donc il est gêné. Pareil, la jaune va être un peu courte, mais suffisamment pour lui permettre de la jouer néanmoins avec un rappel en 4 bandes. Il va s'appuyer sur la bille. Bien plein. C'est ce qu'il fait d'ailleurs. 3 bandes. Ouais. Voilà, tourne. Ça tourne un peu, oui, il manque un peu de plein ou de l'effet. Mais il a conservé le petit billet favorable. Va lui permettre de pourquoi pas jouer le doublé de la rouge. Ah. C'est délicat tout ça. Là, il faut qu'il joue une bande éventuellement, placement une bande. Ouais, en veillant à laisser cette jaune assez grosse et qu'elle ne reste pas collée à la bande. Ah, trop collé là, trop. Mais bon, il peut éventuellement jouer direct, ça va. Ouais. Éventuellement. Mais c'est trop préférable d'être si plus grosse. Voilà. Légèrement décollé, ouais. Parce que là, il va partir vers le coin encore. Et c'est bien à l'image de tout son match. Hein. On sent bien qu'il n'a pas forcément envie de faire attention à tout cela. Ouais. Parce que pour l'instant, c'est pas préjudiciable pour la réussite de ses points. Donc. Essayer de mettre le bille devant un peu, je pense. Et puis néanmoins, voilà. il conserve aussi un peu de fraîcheur, probablement, de pas trop tergiverser et puis de pas passer trop de temps à la réflexion et à l'exécution des coups. C'est peut-être son sens tactique du c'est match. C'est ça, ouais, hein. Tout à fait. Ouais. Ouais, possible qu'il a décidé de jouer comme ça pour montrer à Patrick Nixon que c'était le patron sur la table. Il ne veut pas rater. Après, là, il met les billes devant avec une espèce de carrousel pour le joueur un peu qui connaît ce terme-là. Voilà, il a bousculé les deux billes. C'est pas mal du tout, il a les billes devant. Une bande par la jaune. Oui. Voilà. Alors. Toujours entre deux billes, avec des billets difficiles. Un peu délicat. Délicat. Forcément. Direct. Je pense, ou une bande. Qu'est-ce qui va sentir le mieux? Une bande piquée, c'est délicat, attention. Mais, en levant le talon, bien. Très bien joué, ça. Oui. C'était pas facile, hein, en levant la queue un peu comme ça. Il regarde la rouge, mais je pense que son choix est déjà fait sur la jaune. Sur la jaune. Voilà.
4 bandes amorties. Il va être encore un peu loin de billes. Hein. Ouais. Et il n'a pas gardé vraiment l'amorti sur la 3. Non. Il a trop bousculé, donc il ne peut pas s'appuyer dessus pour faire un placement. Lever un petit peu de l'arrière. Peut-être en levant le talon avec de l'effet. C'est pas simple parce que s'il prend trop gros, il peut prendre le contre. Alors soit on joue complètement le contre là-dessus. Maintenant, est-ce que physiquement il peut aller jusqu'à là? Oh, il va piquer. Ouais. En levant le talon pour donner de l'angle, piqué finesse peut-être, de la vitesse, un peu, voilà, avec de la vitesse, piqué finesse. Ouais, c'était très dur d'arriver dans le plan de la 3. Hein, ouais. Bon. Voilà, il n'a pas trop de biais négatifs sur la rouge. Je pense qu'il va jouer le doublé. Le doublé, ouais, ouais. Je pense. Fait à gauche, doublé. Ouais. S'il prend trop plein. Voilà. Il a encore cette grande bande pour arriver. Oula, il s'est raté. Là, c'est souvent assez plein. Ah, et puis il s'est relevé un petit peu. C'est vrai que voilà. Mais c'est un peu normal parce qu'il joue trop dur. C'est trop difficile, ouais. À un moment. Ouais. Il a levé les épaules. Là, ouais, c'est, voilà. Voilà. Il a fait le signe qu'il s'était relevé. Voilà. Et là, malheureusement, sur ce coup-là, quand on n'est pas bien stabilisé sur le tapis. Ouais. Faut bien. L'exécution est difficile. Il faut rester en place, bien pousser. Ouais, ouais. Bien avoir eu le coup sans bouger. C'est pas évident. C'est un coup de force. Voilà. Donc Patrick Nissen sous la table avec une deuxième occasion avec un point à réglage, sans doute sur la, oui, sur 100, la blanche. 133 points de retard au compteur. Avec un angle droit bien réalisé. Parfait. Après, on peut avoir un masque. Hein. Ouais. C'est malheureusement, ça arrive. Il essaie. Mais il a le deux bandes éventuellement. Sur la blanche? Non. Sur la blanche délicate, peut-être sur la rouge. Hein. Sur la rouge, avec sur le plein pour amortir un peu, doubler la rouge ou tout balancer, je ne sais pas le choix. Le problème, c'est que ce réglage de hauteur est très compliqué. Beaucoup de billes développées un peu sur le devant. Avec la distance entre la sienne et la rouge. Voilà. Même un jeu bille en tête en force, mais tout ça, c'est des choix après. Bille en tête en force, ouais, peut-être. Ça peut. Ouais. Ou amorti. C'est ce qui est le moins dur peut-être développer. Réaliser. Ouais, oui. Ouais. S'il veut avoir le bille, il faut qu'il joue amorti de bande, le développer. Pas facile. Ou alors bille en tête en force, ça peut. On va voir qu'est-ce qu'il joue. De toute façon, il va passer par le deux bandes. Ouais, il essaie de maîtriser l'arrivée sur la 3. Ouais. Non, voilà, un peu balance tout, il change changement de. Ouais, c'est pas mal non plus. Hein. Changement de tiers. Voilà, il n'a pas pris de risque. Voilà. Ah, il rigole avec Vassouflou. Sans doute. Il a dit je vais essayer de jouer comme toi. Ouais. C'est possible. Je me suis dit, ça marche pour moi aussi. Voilà, c'est ça. Donc là, il est loin de billes. Il a un point relativement facile. Mais. Et les choix après pour garder le contrôle de billes, c'est pas évident. Hein. Il faut qu'il fasse un angle droit là de loin. Sur les deux billes. Ah, il choisit la rouge. La rouge. C'est pas mal parce qu'il peut pousser cette blanche, arriver vite dessus et profiter. On rappelle. Oh non, il joue parfaitement. Parfaitement, oui. Magnifique amorti. Maintenant, il faut que ça se passe un peu bien. Il joue ça de la même manière que s'il était beaucoup plus près de la 2. C'est, oui, c'est incroyable. Il a bien envoyé le coup de cœur. Oh, magnifique. Et là, il y a un rappel qui peut bousculer un petit peu la 3, moins plein peut-être, pour aller vers une zone plus favorable, vers la petite bande. Oh là 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 là. Ouf. Tout va bien. Tout va bien, ça va. Voilà, tout va bien, mais Patrick il râle. Hein, parce que oui, mais il a carambolé du mauvais côté bien aussi. Sûr, bien sûr. Faut dire la vérité. Il a carambolé du mauvais côté. Il essaie. Donc il a une entrée qui est faisable, mais les dedans, ça va être compliqué, hein, mon ami Yann.
Non. C'est ça son problème. Là, c'est sûr qu'il n'est pas dans la meilleure des situations. Au 71-2, où certes il a les billes avec un coup qui n'est pas très difficile, mais derrière, comment préparer le coup suivant pour pouvoir sortir cette bille? Ou masser à venir dans le trou un peu en jouant la balance directement dans Ça le trou. doit, doit l'enquiquiner de jouer deux bandes avant, mais je Oui. pense que le deux bandes avant en longueur. Oui, une bande peut-être éventuellement si tu trop fin, une bande éventuellement. Oui, c'est ce qu'il joue. Il la rate, il la Il rate. rate, ouais. Oui, il Bon. la rate. Non, mais il est agacé. Donc, Il est agacé, oui. Il est dans le négatif, oui. alors que tu as raison, c'est sur son rappel, Non. il n'est pas arrivé du bon côté de la bille, il n'est pas arrivé dans le plein, il a Oui. failli même rater le point. Hein. Et donc. Troisième occasion pour Michel Van Siflout de finir cette partie avec une situation plutôt favorable. On va voir s'il peut aller au bout. Il joue pour 34 points. Patrick Nyssen n'est jamais dedans dans cette partie. Non, pour l'instant, non. Alors, est-ce que cette troisième reprise sera la dernière du match? Voilà. Toute la question est là. C'est vrai qu'il n'est pas trop loin du but. On sent que dans ce registre de demi-distance, il est capable de finir la partie, forcément. Oui, mais rater n'importe quel moment aussi, Mais il si... est capable de rater aussi. Bon. Voilà. On verra, mais il a fait quand même le trou, comme on dit, une grosse différence. Là, il va se sentir près du but. Peut-être qu'il arrivera à contrôler un peu ses émotions et essayer de finir. Placement pour appeler de la rappel de la zone de bande, je pense éventuellement. C'est ce qui est bizarre, voilà, ou la rouge là, si la zone ne rentre pas. Mais on reste toujours au milieu du billard, c'est toujours compliqué au milieu du billard. Tout à fait, oui. Là. Là, éventuellement, il va jouer la jaune en doublant la jaune et essayer de garder la dominante sur la rouge. Voilà, parfait. Oui, très bien. Si la jaune reste avec l'angle droit, c'est parfait. Angle droit. Donc là, il peut prendre le billet un peu dans. Ouais, il y a beaucoup de biais, donc est-ce qu'il va doubler? Non, je pense pas. Hein. Il va rappeler en Il une joue bande lentement, seulement. non, Voilà. lentement. Attention. Ouais. Ouais. Oui, il va falloir lutter, Michel, jusqu'au bout. Voilà, là c'est est-ce qu'il va jouer une pour deux la jaune? Est-ce qu'il va prendre voilà parce qu'il peut lui donner la bille dans une position très favorable, une bande ou deux bandes la rouge, si ça sent pas bien. Il regarde le coup sur la jaune. Ah, il joue rétro, il doute, il sait pas, il va jouer rétro, non, il joue finesse peut-être, doucement. Finesse, oui. Voilà, il a aucun risque. Aucun risque, et ça, bon placement sur la Bon 3. placement sur la 3, Oui, c'est ouais. le bonus. C'est le bonus, parce Voilà. que même si c'est ce qu'il cherche, c'était très très compliqué Ouais. à obtenir. Voilà, il est à 25 points du but maintenant Oui. pour rejoindre, comme il l'a fait au 47-2, Placement sur la rouge, je pense, il joue. Voilà. les demi-finales de cette épreuve au cadre à 71-2. Il va faire un piqué parce qu'il a un peu trop monté la rouge. Un peu désabusé, Patrick Nyssen, Oui, c'est qui se vrai. dit que il a laissé passer sa chance à la première reprise.
Il m'avait confié. Il avait les billes sur la ligne, c'est vrai que voilà, il n'a pas engrangé les points comme, comme il a l'habitude de le faire. Et il n'a pas remis la pression sur son adversaire avec une grosse série. C'est pas fini encore, regarde. Pas fini. Alors on le sait bien que c'est jamais fini, hein, Nicolas, c'est vrai que. Surtout quand tu as les billes un peu comme ça. Tant que le dernier point n'est pas fait, c'est vrai que mais bon. Bon, là, on voit un avantage psychologique plutôt basse flûte. Mais si Patrick a l'occasion, j'espère qu'il trouvera la motivation d'aller faire quelque chose. Puis pour nous faire vivre un match aussi, voilà, un match avec un petit peu de plus palpitant. De suspense, exactement. Alors le contre, à mon avis, il va pas jouer très. Voilà. Il est gêné, les billards un peu haut, regardez, je vous l'ai dit, parce que voilà, on est un peu gêné, ils sont un peu haut les billards. Ouais, mais les joueurs ne sont pas assez grands, je pense. Ouais. C'est ça le problème. Hein. Ouais, tu parles pour toi. Hein. Bon, le contre, il va le donner un peu, je pense. Voilà, parfait. Il fait quand même des points difficiles parce qu'il a confiance, parce que ce n'est pas facile tout ça. Il faut qu'il croie à son destin là pour aller en demi. Oui. Et il racontera le vainqueur de Faust. Dasque. Voilà, c'est l'autre. Voilà. Qui est en train de se jouer actuellement. Michel Vassiflout qui travaille dans les publications des livres pour des avocats, les lois, voilà, dans les droits. Il est dans le droit, d'accord. Voilà, dans les droits. Voilà. Et en dehors du billard, il aime la marche un peu. Il fait de la marche. Mais surtout, sa passion, c'est le billard. L'homme d'une seule passion. Ouais. Et il aime bien la bonne bouffe, m'a dit ce matin. Ah oui voilà. Oui, oui, il aime bien. Donc il est content d'être dans la Méditerranée, un peu bien manger. Parce qu'en Hollande, ils ne sont pas connus quand même, les Hollandais. Pour. C'est le moins qu'on puisse dire. Non. On souffre quand on joue là-bas. Ils se nourrissent, quoi. Voilà. Oui, ils se nourrissent bien. Bon. Nos amis hollandais. Donc rétro, il fait le point, il attend, et il attend, il descend, voilà. Évidemment, la 2 ne rentre pas, mais là, il le savait. C'est pas mal. Il a conservé une possibilité de jouer à gauche ou à droite de la jaune, plutôt à droite de la jaune, peut-être. Ouais. Une bande, éventuellement, ou les coups, si, ou à droite ou à gauche. C'est plutôt à droite, je pense. Oui, plutôt à droite, oui. Il n'a pas hésité à envoyer le coup. Là, il a un coup de sel. On va voir, est-ce qu'il joue beaucoup de billes, coupé, il est un peu limite, est-ce qu'il joue amorti, est-ce qu'il joue bien en tête. La 3 est assez grosse. Hein. Oui, elle est assez grosse. Donc il a une arrivée assez confortable, voilà. Avec très peu de chances de passer dans le trou, voilà. Voire quasiment pas du tout de chance de passer dans le trou. Voilà, il a joué en réglage un peu demi-amorti, c'est très bien. Parfait. Voilà, une petite touche sur la jaune qui lui permet d'aller un petit peu moins loin et de conserver. Là, il peut prendre, aller vers la ligne, bousculer un petit peu la 3 éventuellement. Ouais. Voilà, bousculer un petit peu la 3. Voilà, ça commence à sentir plutôt bon pour lui. Ouais. Même si c'est jamais fini, il va falloir être vigilant jusqu'au bout. Angle droit, amorti, très plein. Et là, je pense qu'il peut regrouper vers l'ancre. À nouveau, on se dirige un peu plus vers la ligne. Ouais. Ouais. Petit contre-favorable. Patrick, il bouge la tête, mais gentiment, mais il essaie. Ça va être trop difficile pour lui maintenant. Ouais. Alors, est-ce qu'il va retrouver les ressources si Van Silfoot arrive à terminer cette partie? Petit masque là, mais il aurait pu éviter le masque, mais il est à cheval, ça va, mais là c'est voilà deux bandes. C'est des points en pivot qu'il faut savoir jouer, hein, à une ou deux bandes. Hein. Il y en a beaucoup, 71-2, on est un peu loin. Il faut se méfier un peu de connaître un peu les bandes. Si ça tourne, si ça glisse. Les effets. Donc c'est pour ça qu'il hésite. Hein. Par contre, il prend pas de risques, il joue une bande. Hein. Il va trop rentrer après, voilà. Le jeu c'est plutôt deux bandes, mais. Voilà. Bah, pour être au moins à sa main aussi, ouais. Oui. Donc, voilà.
Il a forcé un peu le coup là. Il prend pas de risques comme à son habitude. Hein. Il n'a pas joué la mesure parfaite. Il est entre les billes. Il ne peut pas prendre le contre, donc c'est soit piqué rouge, mais. Voilà. Là, il va perdre, voilà, il retrouve, il va attendre, voilà, il va essayer de rester prêt. Ah, il tombe du bon côté hein, de la rouge, ça va. Ouais. Attention. Michel qui met bien soigneusement le bleu, la craie, hein, qui n'est pas un bleu d'ailleurs, il est plutôt vert. Il a une craie Taum 20-10, il m'a dit. Voilà. Piqué, c'est pas important là. Attention, s'il peut prendre les billes là, s'il joue bien, une situation plus favorable. Pas important. Bien, bien exécuté. Ouais, hein. C'est pas mal du tout. Ouais, c'était pas facile hein, parce qu'à ce moment du match, je peux vous garantir que c'est pas facile. À 12 points du but voilà. Maintenant. Là, il a pris le risque. Qu'est-ce qu'il fallait pour pouvoir finir, je pense. Voilà. Ah, c'est costaud, hein? Oui, très costaud. C'est costaud. J'ai rarement vu jouer comme ça, Michel. Hein. Mais il est capable parce que c'est un joueur costaud. Et il s'est adapté bien à la situation. C'était pas de la dentelle, comme on dit, mais c'est du cadre très efficace. Exactement. Voilà. C'est essentiel. Il a le mérite d'exister aussi. C'est façon de jouer. Et ça fait partie du 71, hein. Plus qu'au 47 d'ailleurs. Donc là, il est entré, il va essayer de se placer, passer entre les deux, je pense. Si c'est ce qu'il regarde, s'il peut passer ou couler un peu la zone et voir les billes devant. Patrick. Voilà. Il va passer. Il rumine un peu. Ouais, il rumine, ouais. Il rumine un peu. Par le massé, ouais. Il va glisser entre les billes. Voilà. Ouais, c'est parfait. Il y a un petit peu trop de biais sur la jaune, mais il y a la rouge en deux bandes. Deux bandes, oui. Le masque, il est. Il n'y a pas trop de risque de masque. D'ailleurs, il amortit pas trop. Il faut faire attention, ça va. Voilà. Bande avant, tranquille. Tranquille, oui, le placement bande va avant, être. Voilà. Le placement va être automatique, peu importe la quantité. Voilà. On rappelle jaune, angle droit, il faut garder, essayer de garder la dominante pour finir tranquille, parfait. Voilà, garde la dominante. Bonne mesure. Oui. Et il joue pour 5. C'est de bon augure à 5 points du but. Voilà. Petit placement sur la rouge. Il va jouer en deux bandes là, je pense. Notre... Une plutôt. Donc pour 3, placement sur la zone, pour finir sur un rappel de long, je pense. Voilà. Donc pour 2. Un appel de long. Il peut déplacer un petit peu la 3, il n'y a pas de problème. Non. Je pense que là. La messe est dite. Exactement. Mais attention, il y a la reprise quand même, Patrick. Le joueur néerlandais. A terminé, trois reprises. Trois reprises avec ces factures de jeu, il faut le faire. C'est, hein. Oui, c'est très très fort. Ouais. C'est costaud. C'est très fort. C'est pas évident. Éventuellement, de l'autre côté, c'est Fajmarek qui a un avantage. Hein, par rapport à. Voilà, il peut rencontrer Fajmarek en demi-finale. Oui. C'est pas fini. Ils sont actuellement à 139 à 41. À la 7e reprise en faveur du Tchèque.
Mais de toute façon, on ne connaît pas encore le vainqueur de notre match. Non, il y a la reprise. Parce qu'on sait bien que Patrick Nissen est largement capable d'égaliser s'il retrouve... Sincèrement, je ne le sens pas. Pour dire la vérité, je ne pense pas que Patrick égalisera. Je ne l'ai jamais senti. C'est vrai. A eu deux fois l'occasion et de soit... En tout cas, il a redemandé une pause. Une pause, oui. Qui a été acceptée par l'arbitre. Et le joueur, hein. Bon. Et son adversaire. S'il redemande une pause, c'est que voilà, il a envie de. Oui, oui, mais c'est mon sentiment personnel. Figurer. Après, c'est vrai que son attitude pour l'instant ne laisse pas présager de bons signes pour lui, mais on sait bien que d'une reprise à l'autre, ça peut complètement s'inverser. Et puis voilà, s'il commence à enchaîner les points et qu'il prend les billes, qu'il est dans son registre. Il ne se privera pas. Non. C'est un grand champion, il peut le faire. Après, il faut trouver la motivation, la concentration. Voilà, une reprise, c'est toujours difficile, surtout quand on joue pour 133 points. C'est... En tout cas, en dehors des supporters de Michel Ventilfoot, ce serait bien pour nous tous que Patrick fasse une petite série quand même, voilà, voire une grosse. Pour redonner un petit peu d'espoir en une égalisation et puis un peu de suspense dans cette partie qui pour l'instant est à sens unique. Voilà. Donc point de départ pour Patrick. Il rigole à nouveau, ouais, oui. Un petit sourire en coin. Oui, parce qu'il a pris un masque, hein. Il a bien joué le point de départ, il a carambolé un peu trop sur l'extérieur de la 3, il a pris un masque. Il se dit, c'est à l'image de mon parti. Il m'avait dit qu'il ne se sentait pas bien avant le match, il m'a confié ça. Quand je l'ai interviewé tout à l'heure. Ah, tu as bien préparé ton rôle de commentateur, Nicolas. J'essaye d'avoir surtout les sentiments des joueurs. Michel était plutôt confiant. Patrick m'a dit, je ne me sens pas bien. Monsieur. Bon, après, peut-être qu'ils disent ça aussi. Ils jouent deux bandes, là. Délicat, hein. Délicat, très deux bandes, délicat, là, sans très effet. Délicat. Ouais, non, c'est fini. Ouais, c'est fini. Terminé. Voilà, victoire devant Ventilfoot. Oui, tu l'avais bien senti, Nicolas. Ouais. Bon, après, c'est vrai qu'il s'est positionné, malheureusement pour lui, sur ce point d'entrée. Un coup très difficile. Méritant, avec un guerrier sous la table. Hein. Il n'a rien à laisser. Voilà. Trois coups, avec ses factures de jeu, il faut le faire. Il faut le féliciter. Bravo, Michel. Félicité par Raymond Schwertz. Raymond qui a été éliminé une fois de plus, comme au 47-2, après prolongation. C'était le cas contre... Marek Fos en demi-finale et puis en quart de finale ce matin, éliminé par son compatriote Van Bochum après prolongation. Voilà, mais bon. Moi je dirais un mot, allez Willy. Allez Willy pour le doublé. Voilà, notre ami Willy qui est en demi-finale contre Van Bochum, on suivra ça. Et puis Michel Ventilfoot qui vient de se qualifier et qui sera opposé soit à Marek Fos, vainqueur de l'épreuve au 47-2, et puis ou Sven Daske, l'Allemand. Parfait. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous à plus tard. Et vive les jeux de série. À bientôt. À bientôt. Merci Nicolas. À bientôt. Mmh.